était parti au départ pour réfléchir à la façon d'améliorer les processus. Et puis, de fil en aiguille, en discutant, on a vu que... Enfin, moi, j'étais convaincue que la première chose qu'il fallait qu'on fasse bouger, c'était plutôt la partie managériale et donc culture managériale dans l'entreprise, d'avoir une approche un peu plus collective. Et donc, on a dit, on va d'abord travailler sur cet axe-là. Donc, Quaternion nous a beaucoup aidé là-dessus, de deux manières. D'une part, pour lancer la démarche avec nos équipes, et puis de bâtir notre programme avec des consultants en interne. Donc on a une équipe de 6-7 personnes, formées aussi par Quaternaire, et puis qui ont appris pour faire les différentes ateliers, les fameuses percées aussi. Et on a appelé la démarche acteur, donc c'était, alors on voit bien le jeu de mots, avec l'amélioration continue, qui est ce qu'on a lancé aussi, et puis les collaborateurs, acteurs eux-mêmes de leurs unités, de leur travail, et d'être un peu plus contributeurs. Voilà, donc on a lancé tout ça sur d'abord le siège, donc 70 à peu près unités, donc ça fait 800 personnes. Et puis maintenant, on est en train de le mettre en place dans les agences, donc il y a 160 agences qui vont aussi rentrer dans cette, tout doucement, dans cette démarche d'amélioration continue et avec l'approche managériale qui va avec, qui donc englobe beaucoup plus de collectifs, à la fois sur réfléchir aux missions, à la façon de faire le travail, les indicateurs, tout ça travailler ensemble, et puis après de mettre en place l'amélioration continue, avec le panneau de management visuel, créer ces rituels, et puis commencer à justement animer ça. C'est une belle expérience et qui maintenant qu'on fait vivre, à la fois pour aider les managers voilà, qui quelque part sont aussi garants que ce fonctionnement collectif, il produit les effets attendus et défini collectivement pour servir mieux les collaborateurs et mieux les clients in fine. Un partenaire à l'écoute. Un partenaire à l'écoute qui a su bien s'adapter, comprendre, être en proximité et vraiment... super intelligent dans l'approche collective pour mener le projet à nos côtés.